Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo d'une série de 4 durant laquelle je vais vous proposer un programme prise de masse complet et ce en split. Ce programme sera constitué de 4 séances par semaine, ce qui représente un volume de travail tout à fait correct au vu de l'intensité qu'il va vous demander puisqu'on va utiliser comme principe d'intensification les biceps. Alors les biceps, je vous le rappelle, c'est l'enchaînement de 2 exercices sur le même groupe musculaire et ce sans temps de repos. Méthode qui à mes yeux est certainement une des plus efficaces pour promouvoir l'hypertrophie musculaire, comprenez par là, pour faire de la masse musculaire. De facto, vous l'aurez compris, le programme que je vais vous proposer va plutôt s'adresser aux intermédiaires et surtout aux avancés. Donc amis débutants ou ceux qui ont moins d'un an d'entraînement, orientez-vous plutôt vers du full body ou du half body qui vous feront davantage progresser. Et comme d'habitude, l'ensemble des exercices que je vais citer durant cette vidéo ont été techniquement traités par la chaîne. Donc si vous avez un trou de mémoire, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui apparaîtra ou alors utiliser la fonction playlist de la chaîne pour vous offrir une petite révision avant d'aller vous entraîner. Bah écoutez, sans plus attendre, on va commencer de suite cette première séance pectoro-triceps en biceps. Alors on commence de suite cet entraînement après un bon échauffement préalable. Un premier exercice, nous allons effectuer du développé incliné aux haltères pour la partie claviculaire, la partie supérieure de vos pectoraux. Ici on va les réaliser en série directe, comprenez par là de manière classique, série, repos, etc. Alors pourquoi commencer par du développé incliné et non pas du développé couché? Tout simplement parce que la partie supérieure de vos pectoraux est souvent la partie la plus difficile à développer. Donc autant l'attaquer au moment où votre niveau d'énergie est le plus élevé, là où vous êtes susceptible de manipuler le plus de charge, en l'occurrence au début de votre séance. Et enfin, pourquoi les haltères et pas la barre? Tout simplement parce que les haltères vont vous offrir 2 choses. Premièrement, une meilleure amplitude de travail et deuxièmement, un mouvement qui va être convergent. Ce mouvement convergent va vous permettre d'avoir une meilleure perception musculaire, un meilleur ressenti, de mieux sentir vos pectoraux, mais également une meilleure capacité de contraction pour un meilleur stimulus de vos pectoraux. Voilà, premier exercice terminé, on passe maintenant au premier biceps qui consistera à l'enchaînement de développé couché aux haltères et d'écarté incliné. Alors développé couché aux haltères pour la partie médiane de vos pectoraux. Alors pourquoi les haltères? Tout simplement pour les mêmes raisons que j'ai citées précédemment pour le développé incliné. Quant aux écartés inclinés, on va remettre l'accent un petit peu sur la partie claviculaire, la partie supérieure de vos pectoraux. Écarté incliné, vous pourrez effectuer soit la poulie pour bénéficier de la tension continue ou soit aux haltères pour un peu plus de charge. Personnellement, je préfère la tension continue qu'offre la poulie, sachant qu'en plus, le mouvement est beaucoup moins stressant pour les articulations. Voilà, premier biceps terminé, en place maintenant au deuxième biceps qui consistera à l'enchaînement et ce sans temps de repos de dips aux barres parallèles et d'écarté couché. Alors les dips aux barres parallèles, un super mouvement pour l'ensemble de la ceinture scapulaire et plus principalement pour la partie inférieure, la partie basse de vos pectoraux. Bien sûr, si vous n'avez pas la force nécessaire d'effectuer des dips aux barres parallèles, remplacez-le par un exercice, encore une fois, qui va solliciter la partie inférieure. Ça peut être du développé décliné aux haltères, décliné, c'est-à-dire la tête légèrement vers le bas, ou le cas échéant, si vous ne pouvez pas faire de développé décliné, faites de la poulie vis-à-vis, des écartés poulie vis-à-vis en décliné, c'est-à-dire buste droit. Enchaînez donc avec des écartés couchés. Écartés couchés, vous pourrez effectuer, encore une fois, soit aux haltères pour plus de charge, ou alors à la poulie pour bénéficier de cette fameuse tension continue. Le travail des pectoraux est terminé, on va passer maintenant au travail des triceps avec en premier exercice de la barre au front à la barre EZ, un super mouvement de base qui va solliciter l'ensemble de vos triceps, comprenez par là, ces 3 têtes. Mouvement que nous allons effectuer encore une fois en série directe, c'est-à-dire manière classique, série, repos, etc. Si vous présentez un valgus, d'ailleurs je vous invite à aller voir la vidéo sur le valgus, elle est très importante, notamment pour ce type d'exercice. Si vous présentez un valgus qui ne vous permet pas d'effectuer de la barre au front et qui vous occasionne des douleurs au niveau des coudes, remplacez-le par un exercice encore une fois de base, qui pourra très bien être du développé couché, prise serrée. Premier exercice triceps terminé, on va passer maintenant au seul et unique biceps triceps qui sera constitué d'un enchaînement et ce sans temps de repos d'extension verticale et d'extension poulie en prise pronation. Les extensions verticales, mouvement pour la longue portion des triceps, mouvement que vous pourrez effectuer soit à la poulie corde, à la poulie barre, mais également à la barre EZ. Quant aux extensions poulie pronation à la barre, là on va plutôt mettre l'accent sur le vaste externe de vos triceps. Et voilà qui conclut cette séance pectoro-triceps en biceps, séance que je vous invite véritablement à tester, à réaliser encore une fois si votre niveau de pratique vous le permet, car elle est d'une efficacité tout bonnement redoutable,
couplé à une très bonne diète et à une bonne récupération, et les résultats sont véritablement garantis. Quant au choix des exercices, comme vous avez pu le voir, hein, et c'est d'ailleurs le propre d'une séance cohérente, le choix d'exercice va vous assurer véritablement une bonne variation d'angle de travail, de sorte à vous assurer un développement harmonieux au niveau musculaire. Et enfin, le niveau de le volume de travail tout à fait correct, ne soyez pas tenté de rajouter des séries, de rajouter des répétitions, si ce n'est vous rassurer d'en faire plus, car plus, je vous rappelle, n'est pas synonyme de mieux, le maître mot étant l'intensité. Alors on me demande souvent ce qu'est l'intensité, donc j'aime le résumer avec cette phrase. L'intensité, c'est atteindre le point de difficulté maximale, comprenez par là la charge maximale utilisée, mais réalisable. Et cette nuance est importante. Alors qu'est-ce que j'entends par réalisable? Tout simplement, atteindre le nombre de répétitions que vous vous êtes fixé, avec le temps de récupération qu'également vous vous êtes fixé, et le tout agrémenté d'une technique on ne peut plus propre. Donc voilà, et bien écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu, les amis, ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien. Je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier d'un coaching distance, que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan d'entraînement personnalisé. Le lien du site sera en description de la vidéo. Et je tiens également à remercier mon partenaire MyMuscle pour la confiance qu'il nous porte. Je vous invite à aller sur leur site de compléments en ligne. Ils offrent un vaste choix de produits à un rapport qualité-prix tout bonnement exceptionnel. Et à ça, MyMuscle vous offre en guise de bienvenue un code unique de moins 20% sur votre première commande avec le code qui s'affiche dès à présent. Et à la suite de quoi, vous aurez moins 10% en permanence avec ce second code. Donc merci à eux et merci pour leur confiance. Donc voilà les amis, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de ce programme en biceps. On attaquera la séance dos-biceps. D'ici là, je vous souhaite tous de très très bonnes séances, de bons entraînements. À la semaine prochaine les amis, vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra. Bye bye, ciao ciao.